John, vous me recevez ? Oh, Brian. Qu'est-ce que vous foutez sur ce canal ? On a essayé de vous contacter sur notre canal. Ouais, mais j'ai perdu la radio avec tout ce bordel l'autre soir. Elle a réussi à s'échapper ? Votre femme ? Recevez. De vous contacter sur notre canal. Ouais, mais j'ai perdu la radio avec tout ce bordel l'autre soir. Elle a réussi à s'échapper ? Votre femme ? Ouais. Mais pas grâce à vous. Bonne nouvelle. Il y a un truc qu'il faut que je vous dise. Alors allez-y. En personne. Sans façon, non. C'est important. Merde. Il y a un cimetière au nord des cascades, l'Old Pioneer Cemetery. Ouais, c'est bon, je sais où il est. On a enfin de quoi nourrir le camp. Retrouvez-moi là-bas, s'il vous plaît. Tout ça. Désolé, je fais que traînasser. Et voilà. Ah voilà, j'aime mieux ça. Eh, hey, tu vas faire de moi un milliardaire à ce rythme. T'as l'argent qui te brûle les doigts ou quoi ? Oh, le flambeur. Et voilà. Ah, voilà, j'aime mieux ça. Eh, hey, tu vas faire de moi un milliardaire à ce rythme. T'as l'argent qui te brûle les doigts ou quoi ? Ouais, ok. Hé, Dick, fais gaffe à toi, ok ? Oh, juste besoin de faire une pause. Ah, je parle pas. J'ai les pieds en compote. Mes grolles ont fait leur temps. Dick, salut. Comment ça va, Caleb ? Dick, à plus, mec. Dick, merci d'être venu. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Weaver ? Eh ben, en fait, l'une des nôtres a été prise en otage. Melinda Foster. Elle patrouillait sur notre frontière est le long de la 97 quand c'est arrivé.
Son groupe est tombé dans une embuscade. Deux hommes ont survécu, mais Foster a été capturé. Melinda Foster. Elle était servante, non? Ouais. Mais comme nous, elle a abandonné les galons. J'ai noté sa dernière position connue sur votre carte. Retrouvez-la, Dick. Merde. Je ferai ce que je peux. D'une beuglarde. Je peux pas vraiment dire que je m'attendais à avoir de vos nouvelles. C'est pourquoi cette fois. Croyez-le ou non, je suis content de vous revoir. Ça s'est mal passé l'autre nuit sur Wizard Island. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Brian? Je suis venu vous prévenir. Me prévenir? Comment ça? Vous vous souvenez? Je vous ai dit que les infectés mutaient. Ouais, ok, un mutant, ça mute, en quoi ça m'intéresse? La souche du virus et ses effets sur les systèmes nerveux et lymphatiques humains, ils accélèrent. Et de façon exponentielle. Ils étaient au courant, bien sûr. Et depuis toujours. Mes supérieurs. C'est pour ça qu'ils étaient si secrets. Ils le savaient. Ils arrivent. Désolé. On ne pouvait rien faire pour les arrêter. Personne ne peut rien faire. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Vous m'avez entendu parler des hélicos noirs du Nero. Eh ben, on n'en a pas vu un seul depuis des jours.
Mais criez pas victoire trop vite. Le Nero n'en a pas terminé, loin de là. Si les hélicos ne volent plus, c'est seulement parce que les mecs à bord ont trouvé ce qu'ils cherchaient et que tout le monde est rentré au bercail. C'est la phase finale, les amis. Les fédéraux avaient élaboré leur plan bien avant l'arrivée des mutants. Maintenant, ils vont prendre la Terre d'assaut. Et malheur à ceux qui se mettront en travers de leur chemin. Mais on a tenu le coup jusqu'à maintenant. On va pas baisser les bras après tout ce temps. On est des combattants. On a survécu à 2 années dans le No Man's Land. Dans le cirque des mutants, on est plus que prêts. Comme je t'ai déjà dit, Cope, tu sais pas la moitié de ce qui se trame. Mais je suis d'accord avec toi. C'est loin d'être terminé. Saloperie. Tueurs et des voleurs. Qu'est-ce qu'il lui a touché? Défonceur! Défonce-lui le crâne! Ça peut servir.
Joli.
pourrais en faire quelque chose. La ferraille. C'est bon. Ah!
De squatter, où ils ont trouvé cette bécane. Thank you.
dirait que les choses vont mieux sur le camp, non? J'ai plus de nourriture, plus de temps pour me reposer.